Bonjour, nous sommes aujourd'hui le samedi 13 octobre. Nous nous trouvons au fond du lac et je viens pour vous montrer des chaînes de liège qui ont été magnifiquement élaguées, entretenues. Venez, allons les voir. Vous voyez les oiseaux que vous pouvez rencontrer ici. Vous voyez comment ça a été entretenu. Et la villa n'est pas gênée par les arbres. Ce n'est pas la seule, on va vous montrer les autres. Vous voyez, la villa a une vue au-dessus de Chêne-Liège. Comme ça, en biais, comme vous dites. C'est super. Et à côté aussi, il y a des tailles différentes des Chêne-Liège. En bonsaï. On va les voir, on va le détailler tout ça. Et... tenez, regardez. L'art japonais s'est invité dans ce jardin. Donc ici sur la droite, de différentes tailles. Admirez, c'est magnifique. Regardez si c'est bien taillé. Et les arbres ne gênent pas la vue. C'est ce qu'ils devraient faire au Super Osegor. Et la maison à côté, c'est pareil. Et ici, la terrasse de la villa est bien cachée par les arbres. Mais au-dessus, ils ont la vue, bien entendu. C'est très cher de faire taille uniforme. De faire élaguer les arbres, c'est cher aussi. Beau, là, là. C'est magnifique. Nous allons maintenant au Super Osegor. Il y avait avant au Super Osegor une magnifique vue, un panorama où on voyait le lac, la forêt, la dune. L'océan et ensuite la chaîne des Pyrénées. Mais seulement les arbres ont poussé, les chaînes de liège également. Hein. Plus, et la vue, le panorama est maintenant dissimulé. Regardez la magnifique vue qu'on avait avant, mais enfin maintenant dissimulée. Regardez, maintenant les arbres ont poussé. On a pu le magnifique panorama qu'on avait quand le Super Osegor a été créé. Et venez voir ce qui avait été aménagé pour observer le panorama. Voici ce qui avait été aménagé. Et maintenant, plus aucune vue. Les sont aménagées, mais les chaînes de liège empêchent la vue. Retour du lac. Oh, ben, c'est une chaîne vieille, j'ai tout ça. Ah bon, il me tarde qu'elles arrivent là-bas. Le paddle sur le lac, c'est super. Il y a maintenant la brume de mer qui a envahi la forêt et le lac. Voilà, c'était ma vidéo de ce samedi 13 octobre. Pour vous montrer comment ont été taillées des chaînes liège dans les villas qui longent le tour du lac. Et une idée à suivre, et vous donne rendez-vous pour voir de futures WDD Mission News. À bientôt.